J'enlève pour les tuer d'abord. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, verset 31. Je vais lire jusqu'au verset 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de la gloire, sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Prions le Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous pouvons lire cette parole comme les intérêts. Pour ce qui est du contexte, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, oindre notre entendement et mes lèvres, Seigneur. Est-ce que la pensée de l'homme ne puisse pas sortir ici, Seigneur, mais que ça ne soit que ta pensée. Peu importe, Seigneur, notre compréhension, mais nous voulons prendre, Seigneur, la compréhension que tu as donnée à ton prophète. Ceci peut paraître peut-être contraire, Seigneur, à ce que nous avions connu avant. Mais, Seigneur, la nouvelle naissance, c'est le père de ce qu'on connaissait avant et de prendre ce qui est ta pensée. Seigneur, j'abandonne toute la congrégation entre ses mains. Seigneur, est-ce que tu peux bénir avec toi ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous assoie. Merci. Alors, je pense que je vais clôturer avec le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection, juste pour récapituler, je parlais de la résurrection de 1 Thessaloniciens 4. Qui était une promesse qui concernait les derniers âges de l'Église. Ça concernait les derniers âges de l'Église. C'était une promesse de l'âge de l'Odyssée. Amen. Donc, 1 Thessaloniciens 4, devait s'accomplir ici. Mais ce que nous lisons ici dans Matthieu au chapitre 25, on dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres. Dans l'autre résurrection qui viendra, c'est ce que le frère Abraham appelle la résurrection générale. Cette résurrection ne vient pas au temps de l'Odyssée. Parce que dans l'Odyssée, la résurrection n'appartient qu'à l'épouse. C'est l'épouse seule qui est ressuscitée dans l'âge de l'Odyssée parce que les autres morts ne pouvaient pas revenir à la vie. Et lorsque le jugement viendra, il faut qu'il y ait une résurrection générale. Amen. Parce que l'épouse ne peut pas être jugée. Parce que celui qui est jugé, c'est ceux-là qui ne sont pas de l'épouse. Alors, si le juge suprême vient, il faut qu'il amène la résurrection, comme étant le lever du soleil, pour exercer un jugement. Alors, on ne peut pas juger les gens qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités. C'est ce qu'on avait dit qu'au lever du soleil,
toute sémence arrive à maturité. Peu importe sa nature. Mais ici, dans le livre de Matthieu 25, on nous parle des gens qui sont venus devant les trônes et l'agneau se bat. Il dit, allez à ma droite. Amen. Il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et nous voyons ici que le frère Branham a relié ça avec le passage qui dit que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. Alors on lui a demandé, mais quand est-ce que nous avons vu malade et nous sommes venus te visiter? Il dit, lorsque vous l'avez fait au plus petit du royaume, c'est à moi que vous l'avez fait. Le frère Branham dit que remarquez, ceci n'est pas l'épouse. Il dit parce que l'épouse est assise avec lui sur le trône en train d'exercer cela. Et le frère Branham relie ça avec 1 Corinthiens 6 pour dire que les saints jugeront la terre. Donc c'est à l'épouse, n'est-ce pas, qu'on donne maintenant le pouvoir de juger. Amen. Et à Pierre, on a dit ce que tu fermeras sur la terre sera aussi fermé au ciel. Dieu n'avait pas besoin de détenir le pouvoir. Le but de la rédemption, c'était que Dieu voulait remettre le pouvoir à l'homme. C'est ce qu'Adam avait perdu. Quand la rédemption arrive à sa fin, Dieu doit remettre le pouvoir à l'homme. Voilà pourquoi il donne le pouvoir à l'homme d'exercer ses jugements. L'homme ne peut pas juger si Dieu n'est pas en lui. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, car Dieu t'appellera en jugement. Mais la Bible dit que ce sont les saints qui jugeront la terre. Il faut qu'il y ait une union invisible entre lui et elle au temps du jugement. Et quand il est descendu, le frère dit qu'il est le juge suprême. S'il est le juge suprême, il vient pour exercer un jugement. Maintenant, le frère Branham dit ceci, qu'on ne peut pas, Dieu ne peut pas envoyer, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans le feu avant le jugement. La Bible dit que l'enfer et les séjours de mort seront jetés dans les temps de feu. Donc il y a une différence entre l'enfer et les temps de feu. Amen. Amen. En ce moment-là, dans les âges, durant les âges d'église, les pécheurs allaient en enfer. Mais pas dans les temps de feu. Je vais d'abord lire le feu maintenant. On nous pose la question. Quand vous dites que les méchants ne vont pas brûler éternellement, nous savons qu'il n'y a pas un enfer qui brûle éternellement. L'homme va brûler, frère Branham dit, peut-être des millions d'années, mais après, il faut que l'anéantissement puisse arriver. Parce que l'âme qui perd, c'est l'âme qui mourra. On appelle ça la seconde mort. Les gens qui sont morts, ils doivent retourner pour mourir encore. Amen. Amen. Eh bien, j'ai vraiment mis les témoins de Jéhovah en mauvaise posture, n'est-ce pas? Les témoins de Jéhovah ont leur pensée par rapport à ça. Et si nous pensons autrement que le vrai bonhomme, c'est que nous sommes des témoins de Jéhovah. Là, nous serons dans la mauvaise posture. Frère, tu as l'enfer. Auquel il fait. C'est quoi l'enfer? J'aime le frère Branham. Quand vous dites que les méchants ne vont pas brûler éternellement, vous voulez dire en enfer ou dans les temps de feu. Je sais qu'il est dit dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 20, que l'enfer sera jeté dans les temps de feu. S'il ne brûle pas éternellement, alors qu'adviendra-t-il d'eux? Parce qu'après cette résurrection, après la résurrection générale, il faut maintenant qu'il y ait une sentence qui tombe. Amen. Le frère Branham dit, mais un croyant passera dans ce monde, il aura des misères, pardon, un incroyant, il aura des misères, des malheurs, il se paiera ce qu'il appelle du bon temps. Youpi, on se paie du bon temps. Les femmes, les vins et le moment des plaisirs, il pense pouvoir continuer comme ça. Il mourra, il ira dans un état brûlant de feu
et le soufre qui brûle dans tous les siècles des siècles. Les siècles des siècles ne veut pas dire l'éternité. Et alors, pendant peut-être 100 millions d'années, son âme sera tourmentée dans un état de feu et de soufre. Or, le séjour de mort accompagne toujours la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour de mort l'accompagne, c'est-à-dire la tombe, les Hadès. Vous voyez ça? C'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est l'état de feu. Vous voyez très bien, c'est la séparation éternelle alors qu'ils sont consumés. Malachie 4 dit qu'il ne laissera ni chaud, ni rameau, ni rien d'autre. C'est-à-dire l'anéantissement. C'est par ce moyen que le monde va se purifier à nouveau pour les milléniums. Voilà la chose. La purification de la terre pour les milléniums radieux. C'est ce que le frère Branham appelle les grands milléniums. Et pourtant, le frère Branham dit que le troisième exode va qu'il baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. Troisième exode. Le frère Branham le dit là. Mais le frère Branham nous dit aussi que le millénium, c'est l'élément temps. Le septième millénaire de la création jusqu'à Noé, 2000 ans. De Noé jusqu'à Jésus-Christ, un autre 2000 ans, 4000 ans. De Jésus-Christ jusqu'à nos jours, on a déjà dépassé 2000 ans. Avec plus les retards du calendrier. 6000 ans déjà, 7e millénaire. Le frère Branham dit aussi que ça aussi, c'est un millénium, le repos de l'homme. Parce qu'au temps de Salomon, Israël était aussi dans un millénium. Mais ici, on parle de la terre qui brûle pour être purifiée. Et là où le frère Branham dit que les bouteilles de whisky aux États-Unis seront purifiées, enfin de ramener, n'est-ce pas, de ramener un jour nouveau et puis d'éradiquer tous les péchés. C'est comme ça que le frère Branham dit qu'il n'y aura pas de voiture. On n'aura pas besoin de voiture parce qu'Abel n'en veut pas de voiture. Le frère Branham dit, est-ce que vous voyez les jugements? Ce n'est pas maintenant. Et il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Amen. Les jugements, ce n'est pas maintenant. Il n'y a pas un enfer qui brûle. Écoutez le frère Branham. Si quelqu'un vous dit, cet homme est maintenant dans un enfer qui brûle, c'est faux. Avant le jugement. Un juge, voyez, un juge sur cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant qu'il soit passé en jugement. Et quand le juge suprême descend, il vient pour exercer le jugement. C'est après le jugement du juge suprême qu'on prend maintenant les gens pour les jeter dans les temps de feu. Mais l'enfer, c'est quelque chose d'autre. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci. De même, Dieu ne jeta jamais un homme dans la fournaise ardente avant qu'il ait d'abord été condamné par les lois même de Dieu. Il a rejeté la miséricorde. Donc, vous voyez, il devra d'abord être jugé. Et son procès, c'est au jugement du grand trône blanc. Mais maintenant, il est dans un lieu appelé une prison. Boloko. Donc, il y a une différence. L'enfer, c'est une prison. L'état de feu, ça vient après le jugement. Or, nous avons déjà le juge suprême qui est là. N'est-ce pas? Qui est déjà descendu, qui a exercé le jugement. Donc nous sommes passés de la prison à l'état de feu. Amen. Mais, comme je l'ai dit dans la vision de Dieu, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci d'une manière sacrilège. Et si c'est faux, que Dieu me pardonne, je crois que j'ai été dans les deux lieux. Voyez-vous? Dans les deux lieux. Ok, le frère Branham, quand il est parti là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Le frère Branham n'a pas vu le feu. Il voit les gens qui étaient dans les tourments. Les femmes qui crient. Le frère Branham dit que je ne souhaiterais même pas que mon pire ennemi puisse aller dans ces lieux-là. Mais ça, c'était en entendant. Parce que la vraie chose devait arriver après qu'on va prononcer les jugements. C'est après l'arrivée du juge suprême. Que Dieu me parle, je crois que j'ai été dans les deux lieux. Voyez-vous, dans les deux lieux, j'ai vu les rachetés, les bénis, et j'ai vu les perdus et les lieux où ils se trouvaient. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, en tant que votre frère,
pour vous avertir de fuir la mauvaise pente. C'est vraiment une pente. Il dit, ne prenez jamais cette route-là. Et vous avez toutes les raisons de vivre. C'est chemin béni qui mène là-haut. Où les rachetés sont en paix dans la joie. Le frère Branham dit ceci, l'enfer, c'est quoi? Il dit ça dans l'état présent du ministère. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Dans l'état présent du ministère, le frère Branham dit ceci. Il dit, l'enfer, c'est comme un cauchemar. Il dit, quand vous dormez, vous faites un cauchemar, qu'est-ce qui arrive? Vous sursautez et vous vous réveillez. Il dit, mais un homme qui est mort, il est comme dans un état de cauchemar, mais comme son temps sur la terre est fini, il ne peut plus se réveiller. Il reste dans cet état-là de cauchemar. C'était ça l'enfer. Or, ce qu'on nous a enseigné dans les églises du monde, on nous a dit que l'enfer, c'est le feu. Or, l'enfer aussi doit être jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire la souffrance dans la souffrance. Comment y échapper? Et cela arrive après la première résurrection. N'est-ce pas, durant la première résurrection, de 1 Thessaloniciens 4. Mais quand nous entrons dans la résurrection générale du grand trône de blanc, là nous entrons maintenant dans les temps de feu. C'est-à-dire qu'en ce moment où nous vivons, l'enfer n'existe plus. Amen. L'enfer est jeté dans les temps de feu. Amen. Ils vont brûler pendant les millions d'années jusqu'à l'anéantissement. C'est ça que le frère Benoît m'a dit. Mais, devant les trônes là, il y a aussi un groupe qui est venu. Dans ce groupe-là, la parole est prononcée. Vous passez de ce côté et les autres, ce sont des boucs, passez de l'autre côté. Et nous savons que là, ce n'est pas l'épouse. En ceci, je dirais que il y a des livres de vie et il y a des livres de vie de l'agneau. Les gens qui ont participé à la première résurrection étaient dans les livres de vie de l'agneau. Le frère Madame dit que dans les livres de vie de l'agneau, les noms ne peuvent pas être effacés. Ce sont les noms des prédestinés. C'est là où vous voyez un homme comme David, malgré ses erreurs, il était toujours sauvé. Un homme comme Noé, il construit l'arche. Après la construction de l'arche, il va prendre le vin, mais sauvé. Ça, c'est le premier groupe de sauvés. Le deuxième groupe de sauvés, c'est aussi la Vierge folle. Le frère Adam dit que la Vierge folle a payé par son propre sang. Parce que durant les temps de la tribulation, la Vierge folle n'a pas adoré la bête. Elle a résisté et elle a été meurtrie. Elle a versé son propre sang pour en payer le prix. Frère Adam dit que ce groupe-là aussi reviendra pour les saluts. Or, les saluts de la Vierge folle n'est pas dans les anges d'église, ça devait être devant le trône de blanc. Et le Père nous dit, il y a un autre groupe aussi, le groupe des justes. Il dit, quand il dit qu'aller à ma droite, il parlait de brebis, il dit que ce n'est pas dans le sens où il parlait de brebis dans les âges. Il dit, là, il s'agit de quelque chose d'autre. Ce sont les justes. Les justes ne sont ni la Vierge folle, ni l'épouse. Mais ce sont les gens simplement qui ont été gentils envers Christ. Qui est Christ? Son peuple. Amen. Le problème, c'est que la divinité nous a englués. Lorsque Jésus vient vers Saul, qu'est-ce qu'il a dit? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Les gens aujourd'hui se persécutent les uns et les autres parce qu'ils ont une autre image de Jésus. C'est ça le problème. Les Juifs, quand ils persécutaient Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de persécuter Jéhovah. Quand les pentecôtistes rejettent le frère Branham, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rejeter Jésus. Voilà pourquoi beaucoup parmi eux, leur condamnation, c'est déjà écrite.
pas que en cet âge, un mot contre le frère Branham, cela ne te sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et aujourd'hui, on ne peut pas aimer le frère Branham et haïr les croyants du message. Là, c'est un Dieu mal compris. Parce que le but même du message, c'était que le frère Branham voulait nous donner la divinité qui était en lui. C'est-à-dire, quand le frère Branham quitte, cette divinité-là vient à nous. Seulement que nous avons mal compris Dieu. Amen. Les deux livres, le frère Branham dit ceci. Je pense en français. Il dit, avant qu'il y ait un monde, ça c'est le premier groupe. Je disais que le deuxième groupe, c'est le troisième groupe, c'est le groupe des sauvés. Les justes qui ont été gentils envers l'épouse. Mais un autre groupe qui était aussi méchant envers les enfants de Dieu. En étant méchant envers les enfants de Dieu, ils étaient méchants envers Dieu. Parce que Dieu est dans son peuple. Dieu dans la nature. Dieu dans son peuple. Jésus a dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. Donc Jésus, c'est un rancunier alors. C'est une loi. Il dit, à chaque fois que vous le faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Et à chaque fois que vous ne le faites pas au plus petit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Frère, toutes ces petites choses-là, ça nous montre la divinité qui est Dieu. Les femmes ont dit, j'ai toujours dit, la voie parfaite, c'est de comprendre qui tu es. Voir la divinité dans l'homme de Galilée, ce n'est pas un miracle. Même les Pentecôtes se voient ça. Reconnaître votre jour et votre message. Si c'est un message passé, tu peux reconnaître ça. Ça n'a pas d'impact. Mais le problème, c'est de voir Dieu au temps présent. Parce que c'est un Dieu je suis. Ce n'est pas un Dieu j'étais. Un Dieu je suis. Qui est Dieu aujourd'hui dans cette année? Aujourd'hui, c'est le 15e. Le 20. Le 21. Le 21 avril 2019. Montre-moi Dieu. Va aux gens. Seigneur, frère, montre-moi Dieu. Il vient te montrer Jésus. Les autres disent que non, le frère Branham, c'est lui notre Dieu. Les autres disent non, Jésus c'est notre Dieu. Ils sont tous dans le faux. Amen. Parce que Dieu, c'est vous. Amen. Frère, si je cherche Dieu ailleurs à part vous, je suis un idolâtre. Yes. Comme je l'ai toujours dit, en ces jours-là, le monde, les églises ne me verront point. Mais vous me verrez. Et Seigneur, pourquoi? Il dit parce que je serai avec vous et même en vous. Vous cherchez Dieu. Le frère m'a dit que Naoum avait vu la périphérie de Chicago. Amen. Quand il a dit ça dans sa prophétie, je vois des charrettes avec des torches. Il dit que c'était des voitures et des phares. Donc les prophètes, quand les prophètes voyaient des choses dans la prophétie, ils étaient en train de voyager dans ces temps. Les dieux vont les dire, vous allez repartir chez vous sur les ailes d'un grand oiseau. Et ils pensaient que c'était vraiment l'aigle. Frère, il n'y a pas un oiseau qui existe et qui peut amener tous les juifs. Même si ça existait, ils vont tous tomber. Il s'agissait des avions. Quand la promesse s'accomplit, beaucoup de gens l'ont manqué. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez encore les juifs qui sont en train de chercher l'argent à Londres. Et pourtant, la promesse était qu'ils devaient repartir chez eux. Et quand on dit que Jésus dit que je serai en vous, beaucoup de gens cherchent toujours Dieu en dehors de l'homme. C'est-à-dire, quand il est revenu, frère, on dit que Dieu est reconnu par ses caractéristiques. Dieu n'est pas reconnu par sa barbe, ni par sa robe. Comme je l'ai toujours dit, Marc 16, les disciples sur le chemin de Maus, ils ont marché avec lui sans le reconnaître. Parce que Dieu, il est fort en changement de visage. Yes, sir. Le même Dieu, comme chantait le frère Clément, frère, il est parti dans Lola.
On lui a dit que Jésus n'est pas ici. Donc ça dit que l'homme là vit. Vous allez là-bas, Dieu n'est pas là-bas, frère. Parce qu'Apocalypse chapitre 8, il y a un silence d'une demi-heure. Où? Au ciel. Fabien dit pourquoi? Il dit parce que l'adorable venait de quitter. Il est descendu sur la terre. Parce que le septième sceau l'a ramené sur la terre. Amen. Les anges disent que non, frère, nous allons partir. Ils pensent que Jésus est là-bas, ils arrivent les attendent. Non. Si vous allez au ciel, vous laissez Jésus ici. Moukéji. Frère Balaam dit que le ciel consiste dans la parole. Le premier groupe, qui sont dans le livre de vie de la nuit, il s'est proposé de vous donner le Saint-Esprit parce qu'il savait que vous allez vouloir le recevoir. Et il vous a lui-même choisi. Parce que vous aviez ses désirs. Il vous a choisi en Christ avant que ni vous, ni Jésus, ni aucun de vous ne soit sur la terre. Amen. Donc nous avons été sauvés avant même que Jésus puisse monter à la croix. Amen. Faites tout ce que vous voulez. Mais si vous avez été dans la pensée de Dieu avant même la croix de Jésus, tu peux faire l'effort pour être perdu. C'est impossible. Si tu n'as pas été là, tu peux prendre tous les livres de frère Branham, lire, finir toutes les écrits du message, frère. Point de salut. Amen. Ça, c'est le premier livre. La prédestination, frère. Amen. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni même de celui qui court. Ce ne sont pas par les œuvres. Frère Branham dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, ce n'est pas les œuvres et Jésus. Il dit non, c'est Jésus seul pour périr. Les œuvres. Qui n'a pas de mauvaises œuvres? Daniel qui, quand il est arrivé devant le trône, vous connaissez l'histoire. Dans 1 Thessaloniciens 4, Daniel qui est arrivé. Il dit, moi je suis un grand évangéliste. Ton nom c'est qui? Daniel Kiré. On prend le livre. Daniel Kiré. Il n'est pas là. Première page. Daniel Kiré. Un grand livre comme ça. On a fini ça. Daniel Kiré n'est pas là. Il dit non. Moi je suis un grand évangéliste. J'ai évangélisé. Mais comment est-ce que mon nom n'est pas dans le livre? Il dit non, monsieur, désolé, ton nom n'est pas là. Il dit non. C'est impossible. Et toute la ville connaît Daniel Curie, un grand évangéliste, un grand homme de la guérison. Mais son nom n'est pas dans le livre. Parce que le livre en question, c'était le livre de vie de l'agneau. Comme il n'était pas prédestiné, il n'y a pas de son nom dans le livre. Daniel Curie dit, c'est fini pour moi, je suis perdu. Que dois-je faire? Il dit, tu dois plaider ton cas devant le trône blanc. Frère, moi je sais que devant le trône blanc, c'est fini pour toi. Mais une brèche est ouverte pour Daniel Kiri. Alléluia. Amen. Moi aussi, ma maman, c'est Daniel Kiri. Ma soeur, c'est Daniel Kiri. Parce que quand il vient devant le trône blanc, Daniel Kiri a rencontré l'épouse. Vous savez, le pouvoir. Est-ce que vous savez que vous avez le pouvoir de donner la vie? Amen. Petit poisson, je te donne la vie. Amen. Vous avez le pouvoir de créer les écureuils. Vous avez Jésus. Vous m'égrappez. Le Père dit, tout est possible à celui qui croit. Il dit, tout est. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Frère Branham dit, non simplement à Dieu, mais à vous aussi. Yes. Tout, frère, sauf rien. Tout. Le Frère Branham dit, vous êtes capable de créer votre propre monde. Vous montez là-bas, vous êtes la seule. Donc, vous changez la galaxie. Vous ajoutez une planète, vous-même. Frère, la foi, simplement.
Hey, il faut faire des exercices. Moi, je vous ai dit que moi j'ai fait ça. Comme les femmes m'ont bougé le bracelet, moi aussi j'essaye. Je m'assois comme ça, je bouge, ça ne bouge pas. Je me dis, mais ça va bouger. Oui. Donc la puissance en action, frère, il faut exercer. L'apprentissage, frère. Un jour, vous allez vous découvrir en train de faire ça. Les gens en vous voyez la nuée là. Cette nuée, quand cela marchait avec les enfants d'Israël, quand ça arrivait devant la mer, vous savez ce qui ouvrait les eaux? C'était la nuée là. Femme dit que Dieu a regardé la mer avec colère. Et la mère a eu peur. Et la mère a fait un chemin. Frère, le frère Branham dit que toute la puissance qui a appelé le monde en existence se trouve dans l'être humain. C'est-à-dire que si dans Moïse, Dieu pouvait ouvrir les eaux, en vous aussi, il peut le faire. Simplement que nous, les humains, nous sommes un peu distraits. Nous avons négligé du côté surnaturel. Enfin, ils sont puissants. Dans les messages, les gens ont peur des sorciers. Ah! Enfin, les sorcières, c'est le pouvoir le plus bas dans le monde des ténèbres. Même un magicien est plus qu'un sorcier. Mais dans les messages, est-ce que le frère Branham nous a dit pour nous éloigner du sorcier, il faut l'haïr? C'est l'amour. Frère Branham dit que j'ai fléché les animaux sauvages avec amour. Voilà pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Pourquoi Jésus avait dit ça? C'est parce que l'amour, c'est votre protection. Si vous enlevez l'amour, vous mettez la haine, c'est fini, vous êtes perdu. Exposé. Les diables cherchent ça. Voilà pourquoi il envoie les gens avec la bénissance. Pour ternir votre cœur, vous enlevez l'amour, vous allez mettre la haine. L'amour, là, il prend place. Et tout le pouvoir est parti. Yes. Samson sans tresse. Parce que la pierre de fait, ce n'est pas simplement le mystère, c'est aussi vos lignes. C'est l'amour parfait. Et l'amour parfait juge, ça juge avec équité. Et il va perdre avec une verge de fer. Vous avez une verge de fer quand on perd les amours. Bon, l'équipe est pas. Nous avons dit. Amen. Le Seigneur dit, et il envoie Jésus mourir afin de préparer les moyens d'envoyer le Saint-Esprit. Afin de vous amener à lui. Ça, c'était déjà programmé. Je sais peut-être, si il dit, c'est l'Église. Donc, je suis chez moi maintenant. Vous voyez, oh, ça, je trouve que c'est d'une richesse de penser que ce n'est pas ma volonté à moi. Ce n'était pas par mon choix à moi. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Mais dès avant la fondation, le commencement du monde, Dieu nous a vus et a mis notre nom dans le livre de vie de l'agneau. Avant même qu'il y ait un monde, vous parlez d'un Dieu. Merci, Frère Prince. Amen. Dès avant le commencement du monde, Dieu nous a vus et a mis nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Ça, c'est maintenant les livres dans lesquels se trouve le nom de prédestiné. Ça, c'est le premier groupe de ceux-là qui étaient ressuscités ici, dans 1 Thessaloniciens 4, qui devaient partir dans le 4e saut. Le frère m'a dit, quand nos noms ont-ils été écrits dans les livres de vie de l'agneau? Il pose la question. Il dit, quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, alors que Dieu était Jéhovah, et Ella, Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Il était comme un énorme diamant, et il ne pouvait pas être autre chose, mais à l'intérieur de ce diamant, il y avait ses attributs. D'être son verre, parmi ses attributs qu'il y avait à l'intérieur de lui, il y avait d'être un guérisseur. Et nous étions déjà en lui. Donc le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même.
à lui. Les groupes là, les sauvés, n'ont rien à faire, n'ont rien à voir avec les œuvres. Mais frère, on pose la question, frère. Est-il vrai que tous les juifs qui sont nés, qui sont venus au monde, depuis qu'ils seront sauvés? Le frère Branham dit non. Personne ne sera sauvé sauf ceux dont le nom a été mis dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde, qu'ils soient juifs ou des nations. Voilà pourquoi, au retour du livre, les livres de la rédemption concernaient les gens qui étaient dans les livres de vie de l'agneau. Et le frère Branham dit que les noms sont cités sous forme de mystère. Et celui qui n'a pas son nom là, ne répond, ne va pas correspondre, comment, répondre à l'appel. C'est tout. Les livres contiennent ce mystère. Ah, pardon. Qu'il soit juif ou non, vous voyez, c'est tout. Les livres contiennent ce mystère et les livres ne dévoilent que maintenant. Non pas le nom de chacun. C'est-à-dire, oh, frère Rick, frère Prince, non, non, non. Mais le mystère du livre, au moment où il appelle ces noms-là, est-ce que finalement vous comprenez ça maintenant? Quand ça va dire qu'il appellera mon nom, les noms sont appelés sous forme de mystère. Amen. Et les mystères sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Et les livres, c'est ce que Adam avait perdu. Wow. Les livres de vie de l'agneau, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Les livres de livres, bon, livre sera sauvé. Pendant cet âge de l'église, ou au manque de ville, ou qui que ce soit. Non. Ce n'est pas ce qui est dit. Il montre simplement le mystère. Il dévoile le mystère de la chose, mais nous, personnellement, par la foi, nous le croyons. C'est ça le nom appelé. Amen. C'est comme ça que Dieu appelle. C'est-à-dire que si tu lis le message, tu as peur du mystère. C'est-à-dire que ton nom n'est pas dedans. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, c'est Jésus le mystère, frère. Parce que le message du Saint-Esprit, c'est uniquement le mystère. Amen. Maintenant, il y a des églises. Il y a des églises qui demandent, ah, mais vous croyez qu'on est dans votre église? Ah non, les choses de doctrine, là, nous ne m'aimons pas. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient dans la barque. Ils ont vu un homme venir là-bas. Marcha sur les eaux. Ils ont dit, ah, fantôme. Vous savez c'est quoi les eaux? La parole. Amen. Aujourd'hui, quand Jésus marche sur les eaux de la parole, frère, avec des citations, il y a des citations taboues. Amen. Ça, c'est le PowerPoint. Tu vas lire la citation, les gens se fâchent. Vous fâchez contre moi ou bien contre le frère Branham? C'est Jésus qui marche sur les eaux. Le problème, c'est que nous étions là-bas, on nous a dit autre chose. Je l'ai toujours dit, le frère Branham ne peut pas venir nous dire quelque chose que les pentecôtistes ont déjà dit. C'est ça. Donc, il n'a pas un rôle à jouer s'il fait la même chose. Mais le frère Branham prêchait aux deux filles. Le frère Branham lui-même, il viendra. Il dit que moi, je ne suis pas Malachi chapitre 4. Nous attendons ces prophètes. Amen. Et il viendra bientôt. Mais de l'autre côté, le frère Branham dit, croyez-vous que je suis son prophète? Et un autre côté, frère Branham dit que moi je ne suis jamais considéré comme un prophète, c'est vous qui m'appelez un prophète. Maintenant vous devez avoir les yeux pour voir que le frère Branham était le prophète. Et le frère Branham dit au frère Branham, dit Branham, you are Malachi 4. Il dit Branham, green, keep it for yourself. Amen. Le mystère de l'attente, la vision de l'attente. Il n'y a personne qui entrera là-bas pour toi. Tu dois entrer, quand on appelle le livre, le mystère, tu dois écouter ton nom toi-même. Parce qu'ici, on n'a pas assez de temps. Une heure du temps, quand on arrive à 2 heures du temps, c'est la fatigue. Donc, c'est à la maison que tu as écouté le mystère. Frère, moi, quand je viens chez le frère Branham, j'abandonne ma pensée. Ce qui me tue, c'est nos propres pensées. Autant de nous, autant de citations, ou qui me dit, ah, frère Branham. Autant de Jésus, ah, Branham, il paie, ah. Fallait-il rendre moi? Or, ça, c'est la nouvelle naissance. Amen. Les douleurs de l'enfantement. Ça dit que quand Dieu envoie un prophète, il vient changer vos pensées. Quand il vient, il nous dit que les âges de l'Église, c'est du premier au quatrième sceau. Le cinquième
Et les sixièmes sceaux, les cinquièmes sceaux, c'est les âmes sous l'autel. Ce n'est pas les anges de Christ, parce que les êtres vivants, il n'y en avait que quatre. Amen. Amen. Les mystères du chiffre 4. 4 étendards. 4 de tous les côtés. Il y avait 12 tribus, mais on a distribué 3, 3, 3, 3, ça faisait 12. 4. 4 êtres vivants et 4 chevaux. C'est fini. Quand on arrive là, on entre dans quelque chose d'autre. Si vous voyez les êtres vivants et les chevaux finir leur course, c'est-à-dire que les êtres de l'Église, quoi, j'ai fini de terminer. Amen. On n'est pas dans le pentecôtisme. Parce que les pentecôtistes, c'est seulement aller à l'église. Yeshua Azalia, Yeshua Azalia. Amen, alléluia. Dimanche, routine. La différence avec les messages, c'est l'étude. Tu es en train de voir, nous sommes en train de vivre dans quel jour. Les Juifs, quand ils allaient à la synagogue, ils avaient une promesse qu'ils attendaient. Le Messie viendra. La raison pour laquelle ils allaient à la synagogue, c'est pour attendre la venue du Messie. Aujourd'hui, même dans les messages, les gens ont perdu le but pour lequel ils vont à l'église. C'est maintenant une routine, une tradition. Voilà pourquoi maintenant nous avons beaucoup de problèmes. Le frère dit quand c'est comme ça, l'église devient une habitation de Satan. Si vous cherchez les mauvaises choses, hein, vous allez trouver ça dans l'église, frère. Là où le diable a son trône, frère, dans l'église. L'église, dans l'église, l'amour, il n'y en a plus. Bon, je ne parle pas de cette église. Vous voyez, dans l'église, un frère a des problèmes, l'autre là se moque de lui. Mais tu gagnes quoi? Au lieu de les soutenir, tu gagnes quoi? Dans l'église, les gens cherchent à se détruire. Il s'agit des noms écrits. Deuxièmement, en second lieu, il y a une autre catégorie. Leurs noms sont aussi inscrits dans les livres de vie et ils apparaîtront dans la seconde résurrection. Là maintenant, ce n'est pas l'épouse. Les vierges folles et les justes. Ils sont aussi dans les livres de vie, mais pas dans les livres de vie de l'agneau. Ça, c'est différent. Parce que la Vierge folle n'était pas prédestinée. Frère Branham dit qu'elle était aussi une sainte parce que c'était une Vierge. Mais seulement qu'elle n'avait pas de l'huile dans la lampe. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est la nette compréhension de la parole. Amen. Donc la Vierge folle n'avait pas la nette compréhension dans les messages. Et moi, le frère Branham, faisant tout ce que les gens du message font, mais pas de l'huile. Il attend les promesses du quatrième saut après le septième saut. Ah, c'est ça la verse pour. Yes. La confusion triste. Le méthodisme dans le message. Voilà. Leurs noms sont aussi inscrits dans les livres de vie et ils apparaîtront dans la seconde résurrection. Les vierges folles et les justes. Les vierges folles ont quand même suivi. Mais les justes, eux, n'ont même pas suivi. Comme disait le frère Billy Paul, il dit, il y avait un frère, quand il voyait le frère Branham, il enlevait son chapeau. Ça, c'est le frère Billy Paul qui l'a dit. C'est pas une citation. Il dit, le frère Branham lui a dit que cet homme-là, c'est un ancien. À cause du respect. Il respecte le prophète. Il peut être un fumeur. Il peut tout faire, mais il respecte. C'est ce qu'on appelle juste. Les justes, ce n'est pas celui qui ne boit pas. Le juste, c'est celui qui a du respect. Frère, parce que si Dieu doit tenir compte de tout ce que nous faisons, frère, personne ne sera sauvé. Amen. Personne ne sera sauvé. Parce que Jésus, il a endurci la loi. Il dit, on vous a dit que celui qui tombe avec une femme commet adultère. Il dit, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme a déjà commis. Ah, on a dit ce truc de quoi. Ils sont normaux. Frère, voilà pourquoi moi je ne condamne pas. Je compatis. Dans cette catégorie, on trouve aussi ceux qui n'adorent pas la bête, c'est-à-dire la vierge folle, et qui ne se laissent pas entraîner dans le système de l'Antichrist. Mais qui meurent à cause de leur foi. Bien qu'ils ne soient pas l'épouse,
car ils ne sont pas nés de nouveau. La vierge folle ne peut pas naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est simplement pour l'épouse, frère. Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est la mort en soi. On meurt comment? C'est-à-dire que tu meurs de tes propres pensées. Tu enlèves et tu prends maintenant la pensée de Dieu. C'est là que ça apparaît comme une fausse doctrine. Parce que les gens ont déjà une certaine image des choses de Dieu. Mais même le pentecôtiste, quand ils disent que Jesus, ils ont l'image d'un homme de Galilée assis quelque part. Pendant que la Bible dit que ce n'est pas ça. L'homme de Galilée était simplement une représentation pour un certain service. La divinité pour le service de la mort, pour racheter. C'est tout. Et frère Marie dit que Jésus a quitté la forme là, il a repris sa propre forme. Amen. Mais l'homme pentecôtiste a toujours Jésus de Galilée assis sur une chaise. Attends. C'est comme ça que le témoin de Jéhovah aussi pense. Moi j'ai toujours dit, quand Adam était sur la terre, il n'y avait pas des immeubles. Le jardin de Zamba. Frère Marandi, et tout ce que vous voyez dans la civilisation, c'est le péché qui a produit ça. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas des humains. Il n'y a ni avion, ni voiture. C'est la nature. Donc quand nous allons retourner là-bas, nous retournons dans la nature. Après bombe, Gog et Magog. Mais là, si vous avez une autre image, c'est fini. Amen. Maintenant, nous nous trouvons devant la question de écoutez maintenant. Nous nous trouvons devant la question de savoir pourquoi il recevait la vie éternelle lors du jugement. Amen. Ici, nous nous retrouvons devant le trône du jugement. Mais il y a un groupe de gens qui viennent pour recevoir la vie. Comment ça devant le trône blanc, les gens vont venir recevoir la vie. Frère Branham dit, alors que les épîtres semblent bien préciser que l'on doit posséder l'esprit de Christ ou périr. Il dit, quoi qu'il ensemble, nous ne devons pas refuser de croire aux paroles de Jésus, qui précise bien que parmi ceux qui sont inscrits dans les livres de vie, il y en a qui recevront la vie éternelle avant et d'autres après la résurrection générale. Donc, les gens reçoivent la vie éternelle, pas simplement dans les âges de Christ. Là, il s'agit simplement de l'épouse. Mais la vierge folle et les justes, eux, ils reçoivent la vie éternelle après la deuxième résurrection devant le trône blanc. Ça va nous dire, on ne peut pas résister les paroles de Jésus. Eux étaient dans le livre de vie, pas dans le livre de vie de l'agneau. Les livres de vie, les gens reçoivent le salut ou la vie éternelle devant le trône blanc. Les livres de vie de l'agneau, le salut, c'est au niveau des anges de Christ. En troisième lieu, il y a les chrétiens frontaliers, semblables à ceux que nous avons vus au milieu d'Israël alors qu'ils sortaient d'Égypte. Leurs noms étaient inscrits dans les livres de vie et leurs œuvres étaient inscrites dans les livres. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu et qu'ils étaient dépourvus de l'esprit, même les signes et les prodiges étaient parmi eux. Dans ce troisième groupe, ils avaient les signes, ils avaient aussi les prodiges. Il dit, leurs noms seront effacés du livre de vie, comme Judas Iscariote. Son nom était dans les livres de vie, mais pas dans les livres de vie de l'agneau. Après qu'il a refusé ou bien, il n'est pas monté dans la chambre haute, son nom a été effacé. Mais ce qui m'a surpris de plus, c'était quoi? C'était le quatrième. Les frères ont dit que dans le quatrième groupe là, les gens n'en avaient même pas les noms dans les livres de vie. Donc ce sont des gens pour Dieu qui n'existaient pas. Les autres, leurs noms étaient effacés. C'est comme les témoins de Jéhovah, même dans les plans
du blé, ils ne sont même pas là. Il y a les pentecôtistes, il y a les baptistes, mais les témoins de Jéhovah ne sont pas là. Ici, dans ce groupe, il y a des gens qui n'ont même pas leur nom dans le livre. Pendant que, en quatrième et dernier lieu, il y a ceux dont les noms n'ont jamais été inscrits dans le livre. Jamais. Vous voyez les hommes dans la rue, vous pensez que ce sont des humains. Mais pour faire banal, ils n'ont jamais existé. Des figurants. Voilà. Il y a des humains ici sur la terre, ce ne sont que des figurants. Ils n'ont jamais existé dans les livres. Donc, quatre catégories. Il dit, leurs noms n'ont jamais été inscrits dans les livres. Et ne les seront jamais. Donc, quatre catégories de gens. Première catégorie, la résurrection est de celui-ci. Deuxième, qui est le juste et la vierge folle, la résurrection générale. Et devant la résurrection générale, les autres et les noms sont effacés. Mais quand on arrive là, il y a des ceux-là qui arrivent maintenant. Ils disent, toi tu es qui? Oh non, moi je suis tel. Le nom n'est même pas là. Et quand on arrive à la résurrection générale, c'est là où maintenant Dieu ouvre les temps de feu et il prend l'enfer et les séjours de mort et met des temps. Or, cette résurrection générale devait arriver lors du jugement. Dieu ne peut pas jeter l'homme dans les temps de feu avant d'être jugé. Voilà pourquoi les gens étaient dans un cauchemar durant les âges de l'Église. Et quand le juge suprême est venu, amen, il a prononcé le jugement et il prend maintenant les gens là, c'est-à-dire la mort et le temps de feu, il les met dans les temps de feu. Amen. Jusqu'à l'anéantissement. Et le mystère de la résurrection prend fin au moment de la descente de la pierre de fête. Et après la pierre de fête, il n'y a plus de résurrection. À moins que nous ayons notre définition de la résurrection. Parce qu'on avait dit que Adam est mort en se séparant de Dieu. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous êtes passé de la mort à la vie. Celui qui croit en Jésus, il est ressuscité. Il dit que maintenant vous êtes ressuscité. Vous êtes passé de la mort à la vie. Ce n'est pas que vous laisserez, vous êtes maintenant assis dans le lieu céleste en Christ. Donc voilà le mystère de la résurrection. L'enfer et le temps de feu. Tout ça, ça devait prendre fin dans cet âge. Quand on arrive dans l'âge de la pierre de fête, le mystère de la résurrection prend fin. Donc ce qui arrive maintenant, c'est le temps de feu. Frère Branham dit qu'ils vont brûler des millions d'années jusqu'à l'anéantissement. Donc le temps de feu est déjà ouvert aujourd'hui. Amen. Après que le jugement a été prononcé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Musicians.
c'est merveilleux, Seigneur, d'être assemblé en ce lieu, oh Dieu, pour parler des choses de la vie éternelle. Seigneur, qu'est-ce qui amène la joie dans nos cœurs? C'est parce que nous avons été trouvés dans ce livre de la vie de l'agneau. Voilà pourquoi, oh Dieu, nos cœurs aiment ce qui est proclamé dans les livres.